Avant de passer donc la parole à notre grand conférencier, je tiens à saluer l'arrivée de Ngoné Fall, qui est commissaire général de la saison Africa 2020. Donc, comme vous pouvez le voir, cet événement a été réalisé dans le cadre de ce projet national lancé par le président Macron, qui est la saison Africa 2020, mais elle reviendra dessus certainement tout à l'heure lors de son mot de clôture. Maintenant, donc, je vais passer la parole à quelqu'un qu'on attendait beaucoup depuis un moment, Jean-Gabriel Ganassia, une personnalité complexe quand même, hein, parce que j'ai longtemps cru qu'il était en sciences de l'information et de la communication, avant de me rendre compte qu'il était côté physicien et l'autre côté informaticien, ce qui fait un bon couple quand même, ce qui lui permet aussi d'avoir une diversité de thématiques hein, sur lesquelles il travaille, notamment les questions de l'apprentissage machine, les questions de la fusion symbolique des données et surtout une... question qui nous a beaucoup préoccupé ici, celle de l'éthique, l'éthique computationnelle, qui est également son sujet. Donc, nous allons lui laisser la parole maintenant pour qu'il nous présente donc sa communication. Oui, c'est plus simple. Est-ce que j'ai le droit d'enlever ? Oui, bien sûr, bien sûr. Son masque. À faire une conférence en clôture de ce colloque. Hein. C'est un très, très grand honneur. Hein. Et j'espère que je vais vous apporter quelque chose. Alors, justement, je ne voulais pas refaire un historique du passé, hein, parce que nous sommes là pour engager le futur. Et puis, ce sont des choses que vous connaissez. Et donc, je me suis dit, mais, voilà, on avait un certain nombre... d'aspects qui ont été évoqués hein, dans ce colloque, et je voudrais évoquer un aspect qui, me semble-t-il, ne l'a pas été, et c'est lié aux technologies neurocognitives et aux dimensions éthiques qui sont suscitées par ces dispositifs matériels. Alors, le plan de mon exposé, hein, je vais d'abord faire un petit préambule hein, sur ce qui m'a motivé ici hein, à discuter de ces questions. Et puis ensuite, on va parler des interfaces cerveau-ordinateur, de leur industrialisation, c'est-à-dire à la fois d'abord des questions scientifiques, ensuite des questions technologiques. Et puis après, je voudrais débattre avec vous des questions éthiques qui me semblent être liées à ces interfaces cerveau-ordinateur. Et puis entre-temps, hein, je parlerai des limitations, parce qu'on va voir que les rêves des industriels ne se réaliseront pas aussi facilement que ce qu'ils l'imaginent. Alors, première chose, donc préambule. Hein, j'ai vu dans le programme, hein, vous avez parlé de beaucoup de choses sur l'IA, vous avez parlé de l'incidence de l'IA sur la culture et la créativité, c'est évident, c'est important, c'est essentiel. Hein, et moi-même, bon, il se trouve que j'ai été invité hein, à présider le comité d'orientation du cycle des hautes études de la culture. Hein, et bien sûr, hein, la raison, c'est parce que, hein, si on m'a demandé, parce que le numérique est essentiel aujourd'hui dans l'accès à la culture, et puis aussi, je crois, dans le geste artistique. Hein, il y a une présence du numérique qui est
extrêmement important, donc sur la créativité, hein, comme vous l'avez dit ici. Sur l'économie, hein, je rentrerai pas dans le détail, hein, mais toute l'économie contemporaine hein, est transformée par le numérique, hein, pour de multiples raisons. Hein, et là encore, hein, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, il y aurait beaucoup de choses à dire. L'éducation, on vient d'en parler, hein, le travail, hein, les communautés de pratique en ligne, la régulation, la loi, le droit, hein, tout ça est transformé par le numérique. Hein, et puis on a évoqué ici, hein, dans le cadre de cette conférence, l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique. Hein, l'ensemble des continents hein, sont transformés par le numérique, de façon différente d'ailleurs. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le cerveau. Or, c'est quand même le siège de la pensée. Hein. Donc, est-ce que le numérique affecte le cerveau ? Plus exactement, hein, est-ce qu'il y a des tentatives pour transformer le cerveau avec le numérique ? Et que doit-on penser de ces tentatives ? Donc l'idée, hein, c'est de regarder à demain ou après-demain et se demander qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est voilà, de cela dont je voudrais vous parler. Alors avant de rentrer dans le détail, je voudrais rappeler une histoire. Est-ce que vous vous souvenez de Van Warburg ? Oui, certainement, puisque vous êtes des spécialistes hein, de l'information et de la communication. Vous savez que c'est un physicien qui a été un homme tout à fait sympathique, vous voyez, ici. Hein, pour la petite histoire, quand même, il a été à l'origine du progrès Manhattan. Donc c'est quand même lui le responsable de la fabrication de la bombe atomique. Hein, mais c'est pour ça, c'est un détail. Hein. Mais juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il écrit un article qui est vraiment tout à fait central, As We May Think, où il explique que on va changer les enjeux politiques ne sont plus liés à la guerre, plus exactement aux affrontements directs, mais on va rentrer dans une nouvelle ère où la technologie va devenir primordiale. Et il dit, la caractéristique de la technologie, c'est sa complexité. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est être capable de faciliter la maîtrise de la technologie. Et là, il se dit, on va mettre la technologie au service de la technologie. On va essayer de développer une extension de nos mémoires qui sera informatique. Et c'est ce qu'il appelle la MEMEX. Ça va donner naissance, ensuite, à l'hypertexte. Je ne rentre pas dans le détail de tout ça. Hein. Comme c'était un physicien, c'est 45. 45, c'est juste avant le premier ordinateur électronique. Et donc, il le fait en physicien. Donc, il va dessiner les circuits, etc. J'ai mis une petite machine qu'il avait essayé d'imaginer. Et là, on fait le dessin des circuits. C'est intéressant parce que vous voyez que là, vous avez un écran vers des polis. Et puis ici, vous avez une tablette. Et ici, vous avez un clavier. Et ce que dit Van Warburg, c'est, à la fin de son article, il explique, il dit on va mettre des techniques de photographie sèche en place qui vont stocker énormément d'éléments d'information. Ce qu'il appelle la photographie sèche, c'est ce qu'on a appelé les microfilms. Hein. Et puis ensuite, il y aura la possibilité d'établir des liens entre les différentes fiches. Mais ce qu'il dit, et qui est, je crois, extrêmement intéressant pour nous, il dit, enfin pour le propos qui va être le mien tout de suite, il dit, vous voyez, là, il y a du... il y a un laser, oui, il y a un laser, vous voyez. Ici, vous avez du verre dépoli qui va projeter des éléments d'information. Et puis ici, vous avez un clavier. Et tout ça, c'est de l'électricité, ça va se transformer en flux visuel. Hein, et puis ensuite, il va y avoir un geste. Mais peut-être, dit-il, à la fin de son article, dans notre cerveau, il y a des flux électriques, peut-être qu'on maîtrisera tellement... Oh, pardon. Donc, excusez-moi, hein, si vous me le répète. Hein, si. Donc, il dit, mais peut-être que on pourrait essayer, non pas de passer de l'électricité à l'optique et puis ensuite à l'électricité, mais passer directement de l'électricité à l'électricité, c'est-à-dire brancher directement cette extension de la mémoire sur notre propre cerveau. Cette idée, qui donne un peu froid dans le dos quand même, hein, a été reprise. Hein, et cette année... 9 avril 2021, donc ça fait pas si longtemps, hein, il y avait des émissions, entre autres à BFM TV. Alors je vais peut-être, là, je vais peut-être pas vous passer tout le... Ah zut ! Ah si, alors, 2 secondes, est-ce que je peux arriver ? Ah oui, c'est bon. Voilà. Pager is amazingly good at MindPon. In 2020, it was a pig with a chip in its brain. Donc ça, c'est le projet d'Elon Musk à Neuralink, qui est de connecter directement le cerveau du singe à un jeu vidéo. Et il dit, bah, on va pouvoir commander hein, ce jeu vidéo directement par notre pensée.
Alors, je ne rentre pas tout dans le détail, hein, mais c'est ce type de choses, bien sûr, qui peut nous poser des questions. Alors, Elon Musk n'est pas le seul. Et ça, c'est un autre projet qui a été mis en place par une autre grande société américaine que vous connaissez tous, Facebook, qui essaye aussi de développer des interfaces cerveau-ordinateur. Avec l'idée que le flux d'informations que l'on pourrait transmettre depuis notre cerveau avec l'ordinateur sera beaucoup plus rapide si on va directement avec des techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale qu'en tapant à la machine. On se pose un certain nombre de questions, hein, mais je vous le livre tel que... Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout hein, de la vidéo. Elle n'est pas très, très longue, hein, mais c'était juste pour vous donner une petite idée de ce qui se produit aujourd'hui. Alors, oui, c'est regardez, c'est, vous reconnaissez, hein. C'est Zuckerberg. Voilà, et c'est ça que... It sounds impossible, but it's closer than you may realize. Elle explique qu'on peut taper directement des textes plus rapidement à partir du cerveau qu'avec nos doigts. Alors, je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est un petit peu long. Le principe de celui-là, je vais essayer de vous l'exposer. Vous allez voir que l'intelligence artificielle y prend une part absolument déterminante. De quoi il s'agit ? Vous avez ici une acquisition de signal. En général, c'est ce qu'on appelle de l'électroencéphalographie, c'est-à-dire des électrodes qui sont passées sur le scalp et qui enregistrent les différences de potentiel qui sont induites par l'activité cérébrale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre cerveau, vous savez qu'il y a des neurones. Ces neurones sont connectés entre eux par des synapses, il y a des boutons synaptiques, et puis il y a des synapses. Et là, il y a des flux qui sont à la fois des flux chimiques et des flux électriques. Et ensuite, on peut, sur le scalp, faire la résultante hein, de tous ces flux électriques. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les enregistre ici. Puis à partir de ça, on va avoir des techniques hein, de traitement du signal qui vont essayer d'extraire un certain nombre d'informations, de motifs récurrents. Et puis ensuite, eh bien, on va essayer d'établir avec de l'apprentissage des corrélations entre ces motifs. Donc ici, hein, il y a mais c'est la même chose. Hein. Vous avez ici donc les différentes techniques d'acquisition de signal, donc EEG, électroencéphalogramme, hein, ECOG, hein, c'est avec les yeux, etc. Hein, je ne rentre pas dans le détail. Le traitement du signal, et puis ensuite, on va avoir la commande. Et l'intelligence artificielle intervient ici. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le biofeedback, c'est-à-dire que on extrait le motif. À partir de ce motif, hein, on va demander à la personne de faire quelque chose, de penser à quelque chose, ou éventuellement d'avoir une action, et on va corréler le signal avec la volonté d'effectuer quelque chose. Hein, par exemple, on dit penser à pousser le curseur sur la gauche, hein, et donc vous voyez, il y a une souris, il pousse le curseur sur la gauche, il a envie de pousser le curseur sur la gauche, on regarde quel est le pattern, et ensuite, au bout d'un certain moment, on apprend, hein, on espère pouvoir déplacer le curseur rien que par la pensée. Et c'est ce qui se produit. Hein, il y a des travaux hein, ici qui sont accomplis. Je vous en présenterai quelques-uns. Alors, quel est l'intérêt de ce type de technologie ? Beaucoup de gens pensent à la réhabilitation, par exemple, après des accidents vasculaires cérébraux, hein, pour aider les gens à... Alors, ça pose tout un tas de questions. Hein, ça n'est pas du tout évident. Communiquer par la pensée hein, aussi. Donc, il y a cette idée qu'on va pouvoir éventuellement aller plus vite hein, quand les mains sont occupées. Hein. Par exemple, hein, si vous êtes un pilote d'avion, hein, que vous puissiez avoir, en plus de vos mains, directement la pensée. Ça n'est pas simple. Hein, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Hein, il ne faut pas croire que ça se fait. C'est de la télépathie, mais la télépathie n'est pas très, très simple. Et puis, la dernière question, dernière application, parmi toutes les autres, hein, je ne les mentionne pas toutes, c'est ce qu'annonce Mark Zuckerberg. C'est de pouvoir lire l'esprit. Alors ça, c'est
c'est quelque chose quand même qui, je pense, doit nous questionner. Et c'est ce que je vous propose de faire ici, parce que il me semble que ça pose un certain nombre de problèmes éthiques. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors sur la commande par le cerveau, ici, on va voir si on peut. Voilà, je vais juste passer le début. To move their arms or their legs in any functionally useful way, we're able to control. Voilà, vous voyez, c'est des gens qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, bouger leurs membres. C'est l'idée que, par les techniques que je vous ai exposées tout à l'heure, elles vont pouvoir avoir une certaine activité, juste par leur pensée. As though they were reaching out themselves with their own limb, and the robotic arm moved much the way their own arm would have moved. One of the long-standing questions. Not only in neuroscience, but in neurorehabilitation, is whether the cells in the motor cortex and other parts of the brain, whether they continue to function the same way years after that original injury. Voilà, ce qu'il dit, c'est que la question, c'est si quelqu'un a eu des problèmes en particulier, si certaines liaisons cérébrales ont été lésées en sorte qu'ils ne puissent plus mouvoir leurs membres, peut-être que l'activité du cerveau reste identique et donc, même s'ils ne peuvent plus mouvoir leurs membres, leur volonté est la même et ça va pouvoir se traduire après par un geste. Et son idée, vous voyez, c'est de alors soit d'avoir, comme j'ai dit, des électrodes sur le scalp, soit ici, hein, comme ce sont des liaisons plus graves, d'introduire à l'intérieur du cerveau un certain nombre d'électrodes. Alors, je continue pas trop. Ça, c'était simplement pour vous montrer ce qui est aujourd'hui à l'œuvre dans les laboratoires de recherche depuis un certain temps, en faisant appel à des technologies d'intelligence artificielle. Puis alors, dernier point, parce que je voudrais montrer toutes les technologies, puis après on verra leurs industrialisations et les limites qu'il y a. Dernier point, je suis, vous le savez, à Sorbonne Université, c'est l'ancien Jussieu, et c'est une université qui est à la fois aujourd'hui une université de médecine, une université scientifique, et puis une université littéraire. Mais entre les médecins et les scientifiques, il y a pas mal de liens depuis longtemps, et on a des liens avec l'Institut du cerveau et de la moelle qui travaille sur les neurosciences. Et là, il y a de petites entreprises qui se montent, dont l'une d'entre elles qui s'appelle Mind Brain Technology, que je connais parce que j'ai des échanges avec eux régulièrement. Ils sont en train de développer un casque avec des électrodes toutes petites. Et le principe, c'est d'enregistrer les ondes alpha émises par le cerveau et à partir de ça, d'en induire l'état émotionnel de la personne et de lui mettre de la musique qui corresponde à cet état émotionnel. Alors, je suppose, c'est pour son confort, etc. Donc, d'autres dispositifs. Ce que je veux, c'est vous montrer la large panoplie d'applications qu'il y a avec ces technologies. Puis, on peut aller plus loin. Il y a des gens qui ont développé, des chercheurs, ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. C'est l'idée d'introduire dans le cerveau des électrodes, et ensuite, avec des micro-ondes, on peut soigner un certain nombre de maladies. Alors, on s'est rendu compte, en particulier quelqu'un qui s'appelle Willis Halim Benabin, qui était chirurgien à Grenoble, par hasard d'ailleurs, c'est un neurochirurgien, mais c'est une découverte fortuite, mais il a eu le talent et l'intelligence de l'exploiter, c'est que sur certaines formes de la maladie du Parkinson, on peut, pendant ces émissions électrique, supprimer les tremblements. Ce qui veut dire que les gens atteints de Parkinson ne sont pas soignés, mais les symptômes qui sont liés à la maladie du Parkinson sont supprimés pendant ces émissions, et donc ça leur permet de vivre une vie normale. Donc là encore, vous voyez, des applications extrêmement positives. Et là, dernière chose, il y a des chercheurs en Californie, il y en a d'autres dans d'autres endroits, qui essayent, lorsque on a des cérébraux lésés, c'est-à-dire des gens dont une partie du cerveau a été abîmée, d'avoir un enregistreur qui va prendre un certain nombre d'ondes électromagnétiques et puis ensuite qui va les transmettre un peu plus loin dans le cerveau pour, là encore, vous voyez, redonner une activité normale. Vous voyez que tout ça, ce sont des technologies tout à fait extraordinaires. Alors, je voudrais maintenant vous parler des projets industriels qui sont derrière cela, parce que vous allez voir que ils sont. Là, on a vu des recherches en cours,
dont certaines ont donné des résultats, hein, comme celle que j'ai présentée tout à l'heure, hein, sur le maladie du Parkinson, mais d'autres recherches qui sont, bien sûr, comme tout le temps les recherches, hein, en quête, hein, de possibilités. Mais là, je vais parler de possibilités d'industrialisation. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a Mark Zuckerberg qui s'intéresse depuis 5 ou 6 ans, hein, à ce genre de choses. Hein, et bon, il y a eu un certain nombre d'interviews. Alors, je ne rentre pas dans le détail de l'interview, parce qu'il raconte tout un tas de choses. Mais ce qu'il conclut, il dit, ben voilà, Steve Jobs avait une formule pour parler des ordinateurs. Il expliquait que c'était des bicyclettes pour l'esprit. C'est-à-dire que ça permettait d'aller plus vite. Et Mark Zuckerberg, lorsqu'il présente son projet à l'université de Harvard, là, il a des juristes face à lui qui lui disent « Bon, mais ce que vous faites, ça pose des petits problèmes, parce que vous allez être en train de lire dans la pensée. Et donc, vous pourriez faire en sorte que des gens témoignent contre eux-mêmes. Et ça viole l'un des amendements de la Constitution américaine. » Lui, il dit « Non, c'est simple, hein, on va mettre un petit casque sur la tête, et comme ça va fluidifier les relations avec le réseau social, et ça va être formidable, parce que, il prend l'exemple d'une pizza, vous avez envie d'une pizza, et donc, immédiatement, on sait que, et on va vous amener la pizza, vous n'aurez même plus à taper sur votre écran, hein, parce que c'est un tout petit peu long, c'est quand même quelque chose de drôlement pratique. » Moi, ça me semble poser des problèmes éthiques, hein, parce que, justement, hein, l'éthique, c'est le fait de ne pas être soumis immédiatement à ses désirs, hein, à certains moments, d'être capable de les réfréner, de se dire ouais, « Non, je ne devrais pas prendre une pizza, parce que, hein, d'abord, j'ai peut-être pas assez d'argent, ou c'est pas bon pour ma santé, etc. » Non, lui, il va vous la donner automatiquement. Ça donne froid dans le dos. Alors lui, vous voyez, son argument, c'est « Eh ben, si les ordinateurs sont des bicyclettes pour l'esprit, qu'y a-t-il de mal à permettre de pédaler un peu plus vite ?» Je trouve que la formule est très, très, très intéressante. Alors, je vais maintenant donner un second exemple d'application. C'est une société qui a été montée par un homme d'affaires que vous connaissez tous, Elon Musk, hein, qui s'appelle Neuralink. Alors, le terme lui-même exprime l'idée qu'il va y avoir un lien entre le cerveau et puis l'électronique. Au fond, on se retrouve tout à fait dans le projet de Van Warbusch. Sauf que lui dit, eh ben, ce projet, aujourd'hui, on est capable de le réaliser, hein, de le mettre en œuvre directement. Et cette société a, si on peut s'exprimer en parlant de plus exactement d'Elon Musk, qui est un homme qui aime les fusées, hein, hein, c'est une société à deux étages. Hein, on peut dire, hein, le premier étage, hein, dans un premier temps, il s'agit de développer des implants cérébraux. Je vous ai exposé tout à l'heure, hein, les applications pratiques qu'il peut y avoir. Hein, et donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait cohérent. Mais ça, c'est quelque chose de très technique, hein, et ça n'enthousiasmerait pas les foules. Hein, et si on veut lever, hein, des sommes importantes à la bourse, il faut certainement avoir quelque chose de plus excitant. Et donc, pour ça, il a un deuxième projet, et c'est le projet dont il nous a parlé tout à l'heure, hein, dans le petit film que j'ai donné en introduction. C'est l'idée de non seulement être capable d'introduire des implants à visée thérapeutique, mais de communiquer. Mais de communiquer, c'est pas simplement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, dans les projets médicaux, c'est de communiquer directement dans les deux sens. C'est-à-dire pas seulement de communiquer par la pensée vers la machine, mais d'avoir un retour de la machine vers l'homme. Et donc, il dit, eh ben, ce qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter la mémoire et l'intelligence. Autrement dit, il dit, ben, on va pouvoir mettre des dispositifs électroniques qui font que... Et là, on est sur l'éducation. Hein, vous devriez être tous enthousiastes, parce que toutes ces années que nous avons passées sur les bancs des écoles, hein, à user nos fonds de culottes, et bien tout ça ne sera plus nécessaire avec le système d'Elon Musk. Parce qu'il suffira, pour apprendre le latin, d'avoir le bon module de latin et paf, vous le pluguez dans le cerveau. Hein, ou hein, le module pour les verbes irréguliers anglais. Hein, enfin, toutes ces choses qui sont extrêmement ennuyeuses, hein, ce serait extrêmement agréable. Hein, et il dit, ce serait même formidable pour la société parce qu'on va tous être en contact. Alors je vais vous citer, l'idée c'est qu'on soit symbiotique, mais ici je vais vous citer deux choses. Donc il dit, avec le temps, je pense que nous allons voir probablement une fusion beaucoup plus étroite de l'intelligence biologique et de l'intelligence numérique. Et il dit, c'est quelque chose de très très simple.
C'est juste une question de bande passante et de vitesse de connexion. Et alors, non seulement il faudrait augmenter, donc vous voyez, tous vos problèmes d'éducation seraient réglés. On va revenir là-dessus, bien sûr, hein, parce que c'est absurde. Je le conçois tout à fait. Hein, mais il faut prendre le temps de la réflexion. Il dit, on va non seulement pouvoir se connecter des connaissances, mais être tous en contact les uns avec les autres. Et donc, on parlait de la société tout à l'heure. Mais la société sera formidable, parce qu'on sera tous immédiatement en lien, nos pensées seront partagées par tout le monde, et nos sensations aussi. Et il dit, on va avoir une espèce de ruche. Et il parle de hive mind, c'est l'esprit de la ruche. Nous allons être comme une termitière, au fond. Alors, et il trouve que c'est formidable. Alors, moi, ça me pose pas mal de questions, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais je suis dans un certain nombre de comités d'éthique, et j'ai lu pas mal de travaux qui ont été faits par des comités d'éthique du numérique, et je suis toujours étonné de voir qu'il n'y a jamais eu de motion condamnant fermement ce type de projet. Alors, je voudrais d'abord qu'on comprenne bien que ces projets, heureusement, ne vont pas se réaliser aussi facilement que ça. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes éducateur, je pense que vous aurez encore du travail, mais ne vous inquiétez pas si vous tremblez à l'idée d'une société tous connectée, ça ne sera pas demain. Donc quelles sont les limitations techniques ? Alors, première chose, sur les interfaces cerveau-ordinateur et le projet de Facebook, l'idée que vous puissiez commander votre pizza, éventuellement commander la garniture. Par exemple, si vous avez envie d'une pizza hawaïenne, je n'ai pas envie personnellement d'une pizza hawaïenne, mais je prends un exemple, l'idée de Mark Zuckerberg, c'est qu'automatiquement, la machine va comprendre que vous voulez des pizzas hawaïennes avec peut-être un peu plus d'ananas que la dernière fois. C'est quelque chose quand même qui s'exprime difficilement. On sait bien sûr qu'on en est très très loin. Entre bouger un curseur sur un écran de la gauche vers la gauche et puis être capable d'exprimer son désir de façon aussi fine, il y a bien évidemment, et surtout à traduire ce désir sous forme de signaux électromagnétiques, il a interprété, c'est quelque chose de difficile. Et puis d'autre part, je voudrais quand même insister sur le fait que même si ce type d'interface cerveau-ordinateur peut servir dans des cas particuliers, nous avons évoqué celui de personnes qui sont paralysées, ce qu'on appelle les emmurés vivants, qui n'ont plus de contact, même dans ce cas-là, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que pour être capable de faire ça, je vous ai dit, vous avez un signal qui est celui du cerveau. Ensuite, vous avez un étiquetage pour dire ce signal est corrélé à telle chose. Par exemple, je veux pousser le curseur sur la droite ou je veux écrire un A ou un B. Et ensuite, vous faites de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire établir des corrélations entre le signal et la sortie. Et bien sûr, il faut arriver à acquérir tout ça. C'est quelque chose qui est extrêmement long. Mais ensuite, il y a le fait que nous ne maîtrisons pas complètement nos pensées. C'est-à-dire que si on a envie de quelque chose, on peut avoir envie d'une certaine manière, de différentes façons, et à différents moments. Et puis on peut avoir des pensées parasites. Et tout ça, bien sûr, fait qu'il y a un apprentissage non seulement de la machine qui corrèle les signaux, mais un apprentissage de l'homme qui va être capable lui-même de mieux maîtriser la façon de penser pour commander la machine. Donc, vous voyez, c'est une symbiose, en réalité, entre l'homme et la machine, et ça n'est pas aussi simple que cela. Alors, je voudrais maintenant aller un tout petit peu plus loin pour regarder la notion de mémoire, parce que Elon Musk nous dit, on va, et puisqu'ici, nous avons juste eu avant une table ronde sur les questions d'enseignement, est-ce que le projet d'Elon Musk sur la mémoire est tenable. Et là, je crois qu'il faut d'abord se souvenir de ce qu'est une mémoire. Depuis, disons, 75 ans à peu près, que les ordinateurs électroniques existent, on sait à peu près ce que c'est qu'une mémoire. On la compte en gigaoctets. Mais il faut quand même se souvenir que la mémoire que l'on compte en gigaoctets, c'est une métaphore
qui a été prise à partir de la mémoire au sens psychologique. Et némésis, hein, en grec, par exemple, hein, puisqu'on parlait du grec tout à l'heure, c'est la mémoire. Or, cette mémoire au sens psychologique, ça ne se réduit pas à un dispositif de stockage d'informations. On peut ensuite essayer de modéliser des mémoires avec des dispositifs de stockage d'informations et des processus informatiques. Et c'est passionnant, ça nous aide à mieux comprendre la mémoire. Mais ça ne se réduit pas à cela. Alors, très rapidement, je voudrais rappeler hein, qu'il y a trois choses dans une mémoire, trois fonctionnalités qui sont importantes et que, justement, hein, il n'est pas évident de reproduire avec des dispositifs électroniques que l'on connecterait au cerveau. Alors, quelles sont ces trois choses ? Hein, c'est d'abord, ce premier processus, c'est l'encodage. Le fait que vous avez un certain nombre d'informations, hein, par exemple, vous avez votre œil qui balaye hein, quelque chose, hein, et puis à partir de ça, il va intégrer toutes les informations, et puis ces informations, une fois intégrées, vont être traduites dans un code intérieur. Hein, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une chaise, qu'est-ce que c'est qu'un lit, qu'est-ce que c'est qu'une personne, hein, tout ça, ce sont des concepts, c'est extrêmement difficile de savoir comment ça va être traduit. Donc première chose, encodage. Deuxième chose, c'est une fois que les choses sont stockées, qu'elles sont représentées, votre cerveau va les transformer. C'est ce qu'on appelle la consolidation, ce qui se produit avec le temps, avec le rêve, par exemple. On ne sait pas, d'ailleurs. C'est magique, c'est extraordinaire, toutes ces transformations. Bien sûr, on est loin de les simuler sur ordinateur. Donc on ne sait pas quel est le code de notre cerveau. On ne sait pas, par exemple, à un certain moment, on se disait, est-ce qu'il y a un neurone grand-mère ? Alors, est-ce qu'on peut trouver le neurone grand-mère ? On le supprime, vous ne savez plus qui est votre grand-mère. Alors, est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs neurones ? Bon, vous savez, toutes ces questions restent ouvertes. Et ensuite, comment est-ce qu'on consolide ? C'est-à-dire, comment est-ce que, dans le temps, vous dormez, vous avez un problème de maths, vous n'arrivez pas, vous passez du temps, puis hop, le matin, immédiatement, vous remettez dessus et vous trouvez la solution. Ben, c'est ça, bien sûr, hein, qu'il faut essayer de modéliser. Et ça, vous comprenez bien que ça n'est pas aussi simple que ça. Et puis enfin, un dernier point, l'accès à l'information. Hein, comment faire ? Donc tout ça pour vous montrer que ces questions d'extension de la mémoire hein, sont extrêmement problématiques. Et en tout cas, il ne suffit pas de rajouter quelques kilo-octets pour être capable de l'étendre, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on connecterait, hein, bien sûr, ce dispositif à votre cerveau. Et donc, les déclarations d'Elon Musk que je vous ai citées tout à l'heure hein, sont extrêmement simplificatrices. Hein, ça n'est pas simplement une question de bande passante et de vitesse de connexion. Et puis maintenant, je voudrais en arriver aux questions éthiques, qui me semble extrêmement importante. Alors pour ça, je voudrais d'abord faire un petit rappel hein, sur... Alors, il y a déjà eu des choses sur l'éthique. Hein, alors vous m'excusez, hein, je vais peut-être répéter un certain nombre de choses, hein, mais je vais essayer de le dire très brièvement et de façon très imagée et très intuitive. Hein. Alors, pour raconter ces questions d'éthique, je voudrais d'abord rappeler... la notion de robot. Vous savez que le terme robot a été introduit il y a un peu plus de 100 ans, il y a 101 ans. C'est dommage parce que en 2020, à cause de la pandémie, on n'a pas pu fêter ça. Moi, j'aurais rêvé hein, qu'on fasse des cérémonies en hommage à la pièce de Karel Čapek qui s'appelait « Resum universel robot » où il met en scène les premiers robots. Je rappelle hein, que le terme hein, vient d'un mot tchèque qui veut dire « esclave ». Ce sont des travailleurs artificiels. Et ces robots, une fois qu'ils sont en service, gagnent en dignité par leur travail ce que les hommes perdent en dignité puisqu'ils ne travaillent plus. Et ensuite, ils vont prendre le pouvoir et ils vont renverser les hommes. Alors, est-ce que c'est quelque chose que, bien sûr, qui est problématique ? Certainement. Et alors, si on regarde, il y a plein d'autres histoires de robots ou d'équivalents de robots qui se termine pour beaucoup très mal. Alors là, j'ai cité le golem. Hein, c'est une histoire, bon, c'est un mythe hein, qui est en Europe centrale. Hein, où hein, ici, vous voyez, c'est le film de Charlie Chaplin. Hein, où là, il y a l'homme avec les robots. Puis on pourrait citer Pygmalion, etc. Donc, en général, ça se termine mal. Et on peut se demander pourquoi ces histoires de robots se terminent mal. Alors la première raison pour laquelle les histoires de robots se terminent mal, c'est parce que les machines prennent leur autonomie. Et tout d'un coup, elles font des choses que l'on ne souhaite pas. À titre d'illustration, je prends ce qu'on appelle en français les SALA, les systèmes d'armes létaux autonomes, hein, d'armes létales, pardon, autonomes, ou les systèmes létaux, hein, systèmes d'armes létaux autonomes. En anglais, ça s'appelle les LAWS, hein, et ça fait extrêmement peur. Alors, est-ce que ça existe vraiment ?
C'est ce que, bien sûr, on va essayer de se poser comme question. Alors, je rappelle quand même que la notion d'autonomie elle-même demande à être définie. Alors, peut-être vous l'avez déjà fait, mais je vais le rappeler très rapidement. Étymologiquement, autonomie, ça veut dire autonomos, c'est-à-dire celui qui se donne ses propres règles. Nomos, c'est la loi. Celui qui se donne ses propres lois. Au départ, ça s'applique à une cité. Une cité autonome, c'est une cité qui n'est pas sous la domination d'une autre cité. Elle décide elle-même de ses lois. Elle est souveraine. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont introduit cette notion d'autonomie pour l'appliquer au sujet. Un sujet autonome, c'est un sujet qui est libre au sens, non pas où il fait ce qu'il veut quand il veut, mais où il soumet ses actions à un certain nombre de règles qu'il s'est donné lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas sous la domination, par exemple, ce ne sont pas la tradition qui vont gouverner ses actions. Il se peut qu'il y ait des traditions. S'il juge ces traditions mauvaises, il ne va pas appliquer ses règles traditionnelles. Ça n'est pas non plus la religion. Il se peut qu'il trouve qu'elle soit bonne ou il trouve qu'elle est mauvaise. C'est lui-même, par sa propre réflexion, qui va essayer de choisir ses propres lois. Alors, est-ce que c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'une arme est autonome ? Alors, ça voudrait dire qu'une arme choisit d'elle-même sa cible. Alors, est-ce qu'une arme peut vraiment choisir d'elle-même sa cible ? Imaginez ce que ça voudrait dire. Et est-ce que vous pensez que les militaires veulent vraiment des armes qui choisissent d'elles-mêmes leur cible ? Alors, j'ai un certain âge, il se trouve que j'ai fait mon service militaire. J'ai pas du tout aimé, mais j'ai le souvenir quand même que les militaires avaient une envie, c'est qu'on leur obéisse. Et effectivement, j'ai eu des contacts après avec des militaires, ils n'ont aucune envie d'armes qui leur échappent. Donc, contrairement à ce qu'on dit, les militaires ne veulent pas d'armes autonomes. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des armes qui comportent des automatismes. Mais ça n'a rien à voir. Alors, je vais essayer de préciser ce qu'on entend ici par autonomie au sens technique ou automatisme. C'est un enchaînement de causalités qui va de l'acquisition d'informations avec des capteurs. Vous voyez, si vous avez une voiture autonome, vous avez tout un tas de radars, de lidars, d'éléments qui vont capter l'information, de sonars, etc. Donc, entre l'acquisition d'informations et la décision, et puis à partir de la décision, l'action. Et donc, dans tout cet enchaînement-là, vous n'avez pas d'intervention d'être humain. Alors, ça veut dire que c'est bien sûr de ça dont il est question. Et c'est ça qui peut éventuellement poser problème. Mais ce n'est pas l'autonomie au sens philosophique, bien sûr. Et ça, c'est important parce qu'il y a très souvent une confusion. Alors, en revanche, il y a une deuxième chose qui peut se poser comme problème, si on en revient à la mythologie. Est-ce que vous vous souvenez tous de l'apprenti sorcier de Goethe ? Alors, je vais peut-être vous raconter cette histoire qui a été reprise par Walt Disney. D'ailleurs, on va la revoir ici. Je vais juste vous mettre le début, puis je vais vous la raconter. C'est Mickey. Hop. Ah, zut. Oh ben. Ah. Bah, sinon, c'est pas grave. Je vais vous la raconter. Ah ben si, ça marche, c'est ça. Donc, c'est l'histoire de Mickey qui est employé par un sorcier. Et il doit, pour la femme du sorcier, remplir un grand baquet d'eau. Et là, il s'est souvenu que le sorcier avait une formule magique pour commander à un balai d'aller chercher l'eau à la source, de remplir les baquets et de ramener les baquets. Et donc, le sorcier s'absentant, ce qui fait, vous voyez que c'est vraiment pénible, le sorcier s'absentant, eh bien, il reprend la formule magique du sorcier, et à ce moment-là, les balais vont s'animer tout seuls. Et là, il est extrêmement content, parce que le baquet se remplit sans aucun effort de sa part, jusqu'au moment où il s'est un peu endormi, et à ce moment-là, il va y avoir une inondation. Et s'il savait bien mettre en place s'il se souvenait de la formule qu'utilisait le sorcier pour... Vous voyez, regardez là, hop. S'il se souvenait de la formule du sorcier pour commander le remplissage du baquet, il ne savait pas comment arrêter les balais magiques. Ben, malheureusement, c'est bien souvent ce qui nous arrive en intelligence artificielle. C'est qu'on sait comment mettre en œuvre une machine, un dispositif, éventuellement un dispositif socio-technique,
et on ne sait pas anticiper toutes les conséquences que ça peut avoir et on ne sait pas comment l'arrêter. Et c'est bien cela le problème. Et donc, j'insiste là-dessus parce que les mythologies, la réflexion sur les mythologies nous apporte beaucoup de choses sur les questions éthiques puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas la question de l'autonomie de la machine qui est fictive, qui n'existe pas. Ça n'est pas la question de l'automate en tant que tel, c'est le fait que on peut engendrer des mécaniques dont on ne sait pas ensuite maîtriser l'ensemble des effets. Donc vous voyez ici la catastrophe. Heureusement, le sorcier arrive. Et bon, vous pourrez aller revoir Fantasia. Il y a une très belle musique en plus. Vous en souviendrez. Alors, donc première question. Celui, non pas de l'automate, mais du fait que la machine se met en marche et qu'on ne sait plus arrêter les conséquences de la machine. Deuxième chose, c'est le fait que le rythme de l'homme n'est pas celui de la machine. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde d'hommes et de machines avec des temporalités qui sont différentes. L'exemple des temps modernes de Charlie Chaplin, je crois, est tout à fait éclairant. Revoyez ce film, parce que je trouve qu'il montre bien cette inquiétude. Et en même temps, la date à laquelle il a été fait montre bien que ces questions ne sont pas nouvelles. Ou regardez les films de Fritz Lang, et vous retrouvez cette question-là. Ou lisez, par exemple, Georges Bernanos, qui en 1947 écrit un ouvrage qui s'appelle « La France et les robots », où il s'inquiète justement de ces questions-là. Alors, je crois que si on veut aller plus dans le détail, on peut se demander quelle est la jonction de l'homme et de la machine. Alors, il y a deux choses. Si on a un lien entre l'homme et la machine, il y a les informations qui vont de l'homme vers la machine et ensuite les activités de la machine à partir des commandes des hommes. Alors, première chose, le contrôle humain, ça peut être un contrôle volontaire par le geste, mais ça peut être un contrôle involontaire. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des interfaces cerveau-ordinateur, mais ça peut être aussi les émotions sur les visages, etc. Et puis deuxième chose, la réponse de la machine. Alors ça peut être ce qu'on appelle le retour d'effort. Par exemple, quelqu'un, vous voyez, qui a un instrument de musique, il commande, et il va avoir une réaction de la machine, un retour haptique, c'est extrêmement utile. Ça va lui permettre de s'approprier la machine. Je pense que dans le domaine, tous les domaines, vous voyez très bien ce dont je veux dire, c'est que ce retour de la machine immédiat nous permet de mieux la maîtriser. Quand on parle d'explication, c'est aussi de cela dont on parle. On peut avoir un automate, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que la machine va se commander avec tous les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, puisque bien sûr, elle démarre, mais on ne sait pas parfois comment l'arrêter. Donc il faut toujours être capable d'avoir un bouton rouge, de rajouter. On a parlé tout à l'heure d'éthique computationnelle. Ce que je fais, c'est avec des techniques d'intelligence artificielle, essayer de rajouter des règles qui traduisent des prescriptions morales pour limiter les actions de la machine. Ça ne veut pas dire que la machine est morale. Ça veut dire, au sens kantien, la machine n'agit pas par devoir, mais elle agit conformément à un certain nombre de règles de devoir. Et c'est ça que l'on essaye de faire. Et puis, dernière chose, c'est les disséminations d'informations. C'est-à-dire qu'on vous a pris de l'information et ensuite, certains vont l'utiliser. Ray Bradbury, un grand auteur de science-fiction, à qui on demandait « Est-ce que vous avez peur des robots ?» Il dit « Non, je n'ai pas peur des robots. J'ai peur des hommes qui sont derrière les robots. » Parce qu'il n'y a que des hommes. Les machines sont des intermédiaires entre les hommes. Alors, je voudrais justement montrer deux points importants. Involontaire, ça veut dire qu'on est capable de capter des informations sans que vous sachiez exactement ce que c'est. Ça, je pense que ça pose des problèmes extrêmement importants. Je vais vous donner un exemple de cela, et vous allez comprendre tout de suite. Et puis, deuxième chose, on l'a vu tout à l'heure, c'est la dissémination des informations, parce que ça me semble poser énormément de problèmes pour le futur, et il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, première chose, donc, sur cette commande. Je cite ici deux articles que moi, j'ai trouvés particulièrement choquants, qui ont été écrits par la même équipe de psychologie sociale de l'université de Stanford, où ce que l'on doute dans le premier, c'est que en utilisant l'apprentissage profond sur des images qui sont récupérées sur un site de rencontre où les gens déclarent leur orientation sexuelle, on est capable de déterminer automatiquement l'orientation sexuelle à partir d'une photographie du visage.
Alors, je trouve que c'est d'abord scientifiquement, l'article est très problématique parce que ce sont les gens qui ont donné leurs propres photos et leur orientation sexuelle. Et puis c'est très choquant parce que l'orientation sexuelle est quelque chose d'éminemment libre. Hein, c'est le choix de la personne. Et laisser entendre qu'il y a une prédétermination, c'est quelque chose qui est d'autant plus problématique qu'on sait que beaucoup de gens changent d'orientation sexuelle au cours de leur vie. Et puis on a la même chose en 2021, la même équipe qui recommence. Et alors là, ils font sur l'orientation politique. Alors là, c'est d'autant plus cocasse qu'on sait que dans nos sociétés, il y a de plus en plus de gens dont on dit qu'ils passent d'une extrême à l'autre, par exemple. Hein. Alors il y a des gueules de fachos, mais ou des gueules de coco, mais bon, c'est vraiment... Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, vous voyez, c'est que ces études, en tout cas la première, elle est approuvée par le comité d'éthique de l'université de Stanford. Alors là, ce sont des questions, je n'ai pas le temps de les développer ici, mais ça montre bien sûr que l'éthique, ça ne se limite pas à un certain nombre de régulations. Puis vous voyez, tout ça, bien sûr, ça évoque des souvenirs fort anciens. Au 19e siècle, il y avait quelqu'un, enfin, il y avait des gens qui développaient ce qu'on appelle la physiognomie, c'est-à-dire le fait qu'on est capable de déterminer le caractère à partir des traits du visage, et en particulier quelqu'un qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait L'homme criminel, qui, justement, essayait de déterminer le potentiel problématique à partir des traits du visage. Et éventuellement, ce serait très pratique, on pourrait enfermer des gens dont on a déterminé par avance qu'ils allaient commettre des crimes. Vous vous souvenez de ce film Minority Report, il y avait ce qu'on appelle les précogs, c'est-à-dire qu'effectivement, on risque de faire ça. C'est un tout petit peu ce qui se fait aux États-Unis. Vous savez qu'on a aujourd'hui une justice prédictive qui anticipe la probabilité de récidive et qui introduit une peine de prison en fonction de la probabilité de récidive. Et vous voyez bien sûr à quel point c'est problématique, puisque que ça change la nature même de la peine. La peine n'est pas faite pour éviter la récidive. La peine est faite pour punir, ce qui est une notion totalement différente. Ensuite, il fait une politique pour éviter, pour réinsérer les gens et pour éviter qu'ils récidivent. Mais vous voyez, ce sont des confusions et je crois que c'est vraiment extrêmement important de le mentionner. Alors je voudrais conclure sur deux choses, parce que là je vois que vous commencez à être inquiet. Non, vous n'en faites pas. Je voudrais conclure sur deux choses. Sur la vie privée d'abord. J'ai dit un des problèmes, c'est la dissémination des informations à partir de notre comportement. Et je crois que pour bien comprendre ça, il faut que l'on dissocie différentes notions qui sont trop souvent confondues. La première, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Alors qu'est-ce que c'est l'intimité? C'est notre vie intérieure, au plus profond de nous-mêmes. Et on essaye, certains essayent, de la traduire. Et pour ça, ils vont la traduire avec des mots. Et donc, il y a toujours une ambivalence, c'est-à-dire que l'intimité, c'est à la fois ce qui est très personnel et en même temps ce qu'on va essayer de traduire, parce que si c'était uniquement un flux de vécu, ça n'arriverait pas à d'autres, mais on va essayer de la traduire. Vous voyez, par exemple, Saint-Augustin ou Jean-Jacques Rousseau écrit des confessions. Et il y a un très beau livre de François Julien, qui est un philosophe contemporain, qui connaît très bien la Chine, sur cette notion d'intimité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'estime. Alors ça, c'est une notion qui a été introduite par des psychanalystes et par un certain nombre de gens. C'est la part que nous sommes d'accord pour livrer de notre intimité. Et là encore, je vais revenir là-dessus, parce que ça pose des questions sur le futur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le privé. Alors la notion de privé est une notion très ancienne. Si vous lisez, par exemple, la condition de l'homme moderne d'Anna Arendt, elle nous explique que dans l'Antiquité, on distinguait l'espace de la famille, l'espace de la domesticité, l'espace qui était lié à l'accomplissement des tâches matérielles nécessaires à la subsistance, de l'espace public, qui était celui où on débattait des grandes orientations de la société. Et donc le privé, c'est cela, c'est-à-dire ce qui est lié à l'alimentaire, etc. Et à partir du privé, il y a ce qu'on appelle la vie privée. Alors j'insiste là-dessus parce que ces notions sont très souvent confondues aujourd'hui. On parle de la vie privée. En réalité, la vie privée, ça arrive très tard. Ça arrive d'abord à la fin du 19e parce qu'un certain nombre de personnalités extrêmement connues s'inquiétaient du fait que les journalistes faisaient intrusion chez elles et donc ils voulaient empêcher ça. Donc il y a l'idée qu'il y a un certain nombre d'éléments d'information, de photos qui relèvent de votre propriété. Et puis ensuite, dans les totalitarismes du début du 20e siècle, il y a eu l'État qui a tenté de s'introduire dans la vie individuelle pour s'assurer que les gens pensaient bien ce qu'il fallait penser. Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle notion de vie privée avec les réseaux sociaux. Tout ça, simplement pour montrer que ces notions sont différentes et que
il y a des réflexions éthiques sur chacune de ces notions. Par exemple, l'extime, hein, est-ce qu'on peut autoriser que quelque chose que vous avez envoyé à une personne soit diffusé à d'autres personnes? Eh bien, je pense que ça devrait être totalement interdit. L'intime, c'est encore pire. Alors vous allez me dire, en revanche, la vie privée, il y a des choses, par exemple, lorsque vous utilisez votre passe Navigo, c'est votre vie privée, hein, mais je pense que hein, on peut éventuellement, pour des raisons de rationalisation, hein, des flux de transport, utiliser ce type d'information. C'est pas obligatoirement choquant, ça dépend comment on l'utilise. Hein, donc vous voyez, tout ça pose des questions. Et je voudrais terminer justement, puisque on parlait des questions éthiques, et c'est mon dernier slide, hein, des questions éthiques suscitées par les neurotechnologies cognitives. Ben, j'ai parlé de Zuckerberg et j'ai parlé de Neuralink. Et il me semble que dans l'un comme dans l'autre, ce qui est extrêmement choquant, c'est pas tant que ça fasse intrusion dans notre vie privée, parce que j'ai dit qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut faire intrusion dans la vie privée, mais ce qu'ils vont beaucoup plus loin. Ils essayent de s'introduire à l'intérieur de notre intérieur, de notre intimité. Le projet de Neuralink de faire une ruche humaine, eh ben c'est la fin de l'intériorité de l'individu. Et je crois que cela, il faut le condamner avec une très grande vigueur. Voilà, merci. Merci. La marche, oui, d'accord, très bien. Bon, en tout cas, merci pour cet exposé très, très, très dense et très, très intéressant. Je n'ose même pas essayer de résumer tout ce que vous avez eu à dire, tellement que c'est tellement profond. Et j'ai été interpellé aussi par tous ces projets que vous avez évoqués. Et ça me fait penser à une de vos citations, mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Vous écriviez qu'avec le numérique, ce n'est pas seulement les médias de communication qui se transforment, mais aussi l'outillage intellectuel avec lequel nous pensons. Et là, effectivement, ça va même au-delà de ce qu'on imagine quand on entend parler d'outillage intellectuel, parce que là, il s'agit clairement de notre cerveau et de notre personnalité dont il s'agit. Dans votre exposé, on est un petit peu partagé, parce que en même temps, vous nous alertez sur ce qui pourrait être des dangers, et en même temps, vous essayez de nous rassurer pour nous dire que, bon, ça ne va pas aller jusque-là. Les militaires ne voudront pas que les armes soient autonomes. Donc, on est un petit peu ballotté. Mais dans tout ce que vous nous proposez, en fait, ce qui semble nous protéger jusque-là, d'après ce que j'ai compris, c'est juste les difficultés techniques. À part les difficultés techniques, vous n'avez pas évoqué d'autres points sur lesquels on pourrait s'accrocher. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question-là, voir qu'est-ce qui nous protégerait réellement de ce qui pourrait être des dangers, puisque en fait, dans d'autres ouvrages, vous interrogez également si nous allons, par exemple, vers la domination programmée. Est-ce que cette domination est réellement programmée ou pas? Voilà. Alors, elle est programmée au sens où un logiciel est programmé, hein, et au sens où il y a, je crois, une transformation potentielle des équilibres géopolitiques liés au numérique. Hein. On le voit avec le pouvoir de plus en plus grand que prennent les GAFA, hein, par exemple, hein, sur l'ensemble des activités. C'est-à-dire une économie qui se transforme. Alors, bien sûr, quand on parle d'éthique, le but n'est pas de rassurer. Hein, il est d'inquiéter, mais en même temps d'inquiéter raisonnablement. C'est que pour résumer en une phrase, il ne faut pas que la peur masque les dangers. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'une peur panique nous conduise à ignorer la réalité. Hein, et il y a, je sais que j'ai un de mes livres, c'était le mythe de la singularité technologique, hein, et on voit que les grands acteurs de l'Internet, bizarrement, nous ont expliqué que attention. Les machines, tout d'un coup, vont prendre le pouvoir, elles vont être autonomes, et elles vont s'affranchir des hommes. Et ils nous disent, ah, c'est très dangereux, et nous, on va vous aider, comme Elon Musk, qui dit, eh ben, on va renforcer vos capacités, on va vous mettre des puces dans la tête, comme ça, vous allez rivaliser avec l'intelligence artificielle.
Et donc, je crois que la difficulté de la posture d'un intellectuel, c'est de dire, attention, hein, il est faux que les machines vont prendre le pouvoir. Il y a toujours des hommes derrière les machines. Mais attention, il faut se méfier des hommes qui sont derrière les machines. C'est-à-dire que si jamais le projet d'Elon Musk venait à son terme, c'est la pire des choses qui puisse arriver, c'est-à-dire la pire domination, puisque Elon Musk pourrait vous mettre ce qu'il veut dans la tête. Dit autrement, il se trouve qu'au début de la semaine, j'ai participé à un colloque sur la fiction post-humaniste. Et je crois que la fiction est quelque chose de tout à fait positif, si ça nous aide à penser, si ça nous aide à réfléchir. Mais, bien sûr, il ne faut pas que la fiction se substitue à la rationalité. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on croit que la fiction va être la réalité. Et malheureusement, ça arrive beaucoup trop souvent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les organismes de financement de la science et les marchés financiers veulent rêver. Et donc, si on veut avoir un projet scientifique, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se dire quels sont les rêves de science-fiction qu'ont les évaluateurs. Et à ce moment-là, il faut être capable de dire, eh ben voilà, nous allons réaliser ce rêve. De même sur les marchés. Lorsque Elon Musk, je reprends parce qu'il est extrêmement talentueux, il a très bien compris ce qu'il fallait faire, il nous dit on va envoyer une fusée sur Mars. Personne n'a sérieusement imaginé qu'on enverrait des gens sur Mars. Parce que ça voudrait dire qu'ils passent 3 ans dans la fusée pour y aller, 3 ans pour revenir. Hein, ce serait d'une cruauté absolument infinie et ce serait quelque chose d'insupportable. Donc, bien sûr qu'on n'enverra pas des gens sur Mars. Mais en utilisant le projet d'envoyer des gens sur Mars, il arrive à obtenir des financements considérables. Même chose pour sa société Neuralink. Alors moi, je pense que Neuralink, sur l'aspect thérapeutique, c'est tout à fait positif. Mais sur l'aspect extension de nos mémoires, c'est quelque chose qu'il faudrait très rigoureusement condamner. Et je crois que, de façon plus générale, il est important aujourd'hui qu'il y ait une interrogation sur l'ensemble des technologies qui permettent de nous dire, voilà, celles-ci sont bénéfiques, et voilà ce qu'on peut en faire, et celles-ci sont problématiques. Et il ne s'agit pas, pour le faire, de déterminer a priori des cadres généraux, mais de regarder chaque projet et de regarder quelles sont les questions que ça peut poser. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui attendent, mais on ne prendra que 3 questions. Et une question, 3 questions dans la salle et une question en ligne. Est-ce que la régie, est-ce qu'on a des questions en ligne ? On va commencer par... Non, d'accord, on n'a pas de questions en ligne. Donc voilà, on va prendre... Alors, mon cher Philippe, puisque ensuite Edgar et Dr Benguini. Et ce sera les 3 seules questions. 1, 2, oui, c'est bon. Oui, vous pouvez poser toutes les questions, il répondra en même temps. D'accord. Philippe Vialon, Université de Strasbourg. Je voudrais revenir sur la mémoire, ce sera plus clair, en faisant un tout petit rappel et vous posez ma question. Ce petit rappel, c'est que vous avez cité plusieurs fois la mythologie et notre passé grec. C'est un texte de Platon que vous connaissez peut-être, c'est Phèdre, avec le mythe de Teute. Un mythe qui est extraordinaire à relire aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que nous dit Platon ? Il nous dit tout ça, il réagit tout simplement à la découverte de l'écriture. Et Platon nous dit que les gens qui vont utiliser l'écriture seront des pseudo-savants au lieu d'être de vrais savants. 25 siècles plus tard, on sait que l'écriture nous a quand même beaucoup aidés. Tous les historiens des sciences sont d'accord pour dire que sans l'écriture, on aurait énormément de problèmes. Et moi, je fais vraiment un parallèle entre cette écriture qui a été une extension de la mémoire et aujourd'hui, ces extensions de la mémoire que l'on a. Je pense que la réaction de Platon, elle était en grande partie tout simplement du conservatisme, pour dire les choses rapidement. Il allait perdre du pouvoir, le pouvoir de savoir, de détenir seul le savoir. Et ma question aujourd'hui, c'est comment vous arrivez à faire la part entre les réactions de gens qui, pour différentes raisons, vont refuser la nouveauté, ça les dérange, ils vont perdre leur pouvoir, ils perdent de l'argent, tout ce qu'on peut imaginer, et ce qui pourrait quand même être utile à l'humanité. Comment intellectuellement vous gérez ça ? Alors je vous remercie de cette question. Bon, bien sûr, elle évoque ce magnifique texte du Phèdre, avec toutes les questions qui se posent, mais on sait que Platon, à la fois, nous explique que
En fait, c'est Socrate qui le met en scène, qui explique qu'il ne faut pas écrire, parce que l'écriture est une trahison de la présence. Et en même temps, Platon, qui est l'interprète de Socrate, à travers les dialogues, lui-même est écrivain. Donc on voit bien toute l'ambivalence de cette question. Et je pense qu'elle subsiste aujourd'hui. Il y a un grand philosophe, Jacques Derrida, qui a été repris par Bernard Sigler, qui cite cette notion de pharmacon, c'est-à-dire de substance qui est à la fois un médicament et en même temps une substance toxique, un poison. Ben, il en va de même, je crois, de tous ces dispositifs. Et donc, il faut être capable de faire la part, de voir justement quelle est la dose exacte, quelles sont les conditions d'utilisation pour que ce soit quelque chose d'utile pour la société et quels sont les problèmes que ça peut poser. Je crois que c'est exactement dans ces conditions-là, bien sûr, que nous, on se trouve aujourd'hui. Et il n'y a pas de réponse immédiate, puisque, bien sûr, c'est avec... une connaissance précise des choses qu'on est capable de le mesurer. Et de même pour les médicaments, vous voyez bien que les mêmes médicaments peuvent être dangereux ou au contraire extrêmement utiles. Mais je vous remercie parce que c'est exactement ça, le point qu'il y a aujourd'hui avec le numérique. Et le numérique dans l'éducation, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça peut être la meilleure des choses si ça nous permet, avec le learning analytics, par exemple, de mieux comprendre les réactions des élèves, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais bien sûr, les élèves qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et qui ne dorment pas parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, ça a des effets extrêmement délétères. Qui plus est, il y a des formes de harcèlement en ligne qui sont extrêmement problématiques. Bien sûr, c'est de tout ça. C'est ce monde nouveau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, juste pour le dire aujourd'hui, enfin, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je crois qu'on est dans une société qui s'est réécrite avec le numérique. Moi, j'utilise le concept de réontologisation, c'est que les notions qui font le tissu social se sont transformées avec le numérique. Et c'est ça, je crois, qu'il faut qu'on essaye de bien comprendre. Alors, j'enchaîne. Et c'est merci beaucoup vraiment pour cette présentation. Enfin, ça évoque avec une autre perspective beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées. Alors, une question quand même. Vous nous rassurez, notamment en essayant de nous montrer que la logique du nouvel informatique distribué n'est pas la même que nos structures internes de nos mémoires, de notre cerveau, mais avec un brin quand même, une approche un peu internaliste, enfin un peu mentaliste. Alors, et si nous partons du fait que la cognition et l'esprit sont aussi et surtout situés en dehors de notre cerveau, dans notre corps, mais aussi dans notre environnement. Enfin, ce qui est de plus en plus admis. Et je pense notamment à Andy Clark et son équipe, justement, dans l'External Mind et de l'External Cognition. Enfin, alors, est-ce que c'est pas justement là où l'intelligence artificielle est en train de nous conquérir et parce que elle sait agir sur les structures et les modalités externes et enactées, situées et étendues de notre esprit et de notre cognition. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous serez toujours rassuré justement? Surtout que l'intelligence artificielle, en tout cas de la nouvelle génération, agit vraiment là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un terme, je crois, syntaxiquement, qu'il ne faut pas utiliser. C'est substantialiser l'intelligence artificielle et dire une intelligence artificielle. Parce qu'il n'y a pas un objet qui est une intelligence artificielle. En réalité, c'est une discipline scientifique. Je voudrais quand même rappeler que c'est né en 1955. Ce sont des scientifiques qui ont écrit un projet et ils ont conçu une discipline scientifique qui était faite pour mieux comprendre l'intelligence en essayant de simuler les différentes composantes de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est une conception particulière dans laquelle l'intelligence est vue comme une somme de fonctions cognitives. Alors ça se discute, mais c'est une hypothèse de travail. Et ensuite, ils se sont dit, voilà, on part du postulat, plus exactement d'une conjecture. C'est-à-dire, quand on est mathématicien, c'est une hypothèse qui a toujours été vérifiée, en tout cas qu'on n'a pas réfutée.
Et ça va être régulateur pour l'activité des scientifiques. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'on se dit, voilà, on va essayer de modéliser toutes les fonctions cognitives. Ça, c'est le premier point. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment la discipline scientifique qui nous aide à mieux comprendre. Et puis ensuite, le deuxième point, alors jusqu'où on est allé, on a fait des progrès, on n'a pas tout fait, hein, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on a fait. Puis le deuxième point, c'est une fois que ces facultés cognitives sont simulées, on va pouvoir les utiliser pour un certain nombre d'applications pratiques. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on vit dans un monde numérique et donc que les échanges interhumains passent par le truchement de flux d'informations. Et donc à ce moment-là, eh ben, on va utiliser ces différents... Alors ça peut être la perception, ça peut être la modélisation de la mémoire, ça peut être différentes modélisations de la mémoire d'ailleurs. Par exemple, vous voyez, c'est le web, hein, ça part d'une modélisation de la mémoire qui est l'hypertexte, hein, et ça va l'étendre. C'est quand même drôlement important, mais ça peut être aussi, bien sûr, hein, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, etc., avec les limites, parce que effectivement, ce sont des dispositifs qui, je veux dire, ont tous des limites. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui importe, c'est d'arriver à reconstruire le monde. Quand je parlais de réintégralisation, c'est-à-dire qu'effectivement, ce monde numérique est nouveau et il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour le maîtriser. Mais justement, je pense qu'il ne faut pas substantialiser l'intelligence artificielle parce que si on le fait, à ce moment-là, on se retrouve face à un étranger. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un livre extrêmement pernicieux qui s'appelle « La guerre des intelligences ». Ça vous laisse entendre que vous avez une intelligence face à vous. Non, il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence que nous attribuons aux machines. Plus exactement, hein, c'est la volonté de mieux comprendre l'intelligence avec des machines. Donc c'est vrai que c'est un projet qui, en tant que tel, est passionnant. Hein, et ensuite, on peut avoir beaucoup d'applications pratiques des retombées de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc vous avez tout à fait raison, hein, je suis d'accord. Hein, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout dans cette logique et dire, voilà, hein, c'est pas une intelligence, mais ce sont vraiment différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre au service d'un projet pédagogique, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Bien sûr que c'est un projet pédagogique ancien. Hein, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas transformées par le numérique. Hein, et c'est important de savoir qu'est-ce qui est transformé et comment les choses se transforment. Hein, mais bien sûr, tout ne se transforme pas complètement. Oui, excusez-moi, je prenais des notes. Fondation Anthony Minguenet. Je voudrais remercier M. Ganassia pour sa conception de l'éthique qui est faite véritablement. C'est une notion d'équilibre entre les inquiétudes, entre les questionnements et les ouvertures des réponses. Alors, Zuckerberg et Musk sont d'excellents communicants. Ça, c'est sûr. Extraordinaires. Et quand on veut vendre un produit, il faut toujours lui trouver une bonne raison et des atours les plus positifs possibles. Pour l'instant, ce n'est pas près d'arriver. Tout ce qui a été cité, effectivement, sur les technologies sont déjà en cours, sont déjà expérimentés, surtout à Stanford, justement, d'où leur explication de l'éthique, leur conception de l'éthique. Il faut bien aussi justifier certaines expériences. Par contre, où se posera peut-être le problème ? Ce sera la cinquième révolution qui va arriver sur l'informatique quantique. Pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a des supra-supra-calculateurs qui sont 1000 fois plus rapides que l'intelligence humaine. Nous savons déjà que l'humain perdra cette bataille, s'il y en a une, concernant justement la rationalité et l'intelligence logique. Mais dans l'humain, il y a aussi l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, et il y a aussi d'autres dimensions qui existent dans la pensée. Alors, si ceci arrive, et c'est peut-être probable, dans l'homme augmenté... Il y a déjà des extrapolations qui sont faites, hein, 2026, 2032, 2050, 2062. Mais là, nous assistons à l'heure actuelle à un autre système. C'est la notion de l'enfermement. Nous connaissons tous l'enfermement algorithmique qui existe parce que, quand on tape sur Internet, on a petit à petit des réponses ou des choix d'articles en fonction de notre profilage. Mais nous sommes à l'aube d'un enfermement cognitif. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire à la fois d'un conditionnement de nos modalités de pensée, et c'est ce qui est visé par la suite avec cette technique, et justement d'une absence et d'une perte, alors là c'est l'éthique, de l'esprit critique, la perte d'une conscience éclairée, la perte de pouvoir se faire sa propre opinion, d'avoir un libre choix. Et dans cette proposition qui est faite là, effectivement, augmenter la mémoire, mais cette mémoire, elle ne sera pas dans le cerveau, elle sera dans des data centers. Donc il y aura des relais et des filtres. Et il y aura un effet de feedback et de rétro-feedback qui est dans les deux sens. Alors, est-ce que vous pourriez approfondir un petit peu plus cette
cette dimension d'un potentiel asservissement, justement, de ce qui fait la caractérisation de l'homme, et la nécessité à l'heure actuelle, et on en a parlé hier, de développer une cybersécurité éthique, une cyberéthique qui sera indispensable dans l'évolution de notre société, même s'il y a une modification de l'homme qui ne sera pas obligatoirement négative. Oui, je vous remercie de toutes ces questions. Alors, je ne pourrais pas répondre à l'ensemble, parce que, enfin, je veux dire, je pourrais, mais ça prendrait trop de temps. Je voudrais quand même commencer par un premier point, je crois, qui est important. C'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Parce que moi, enfin, ça fait longtemps. D'abord, la raison pour laquelle j'ai fait de l'intelligence artificielle, à l'époque, ce n'était pas technique à la mode. J'ai eu de la chance, j'ai fait juste avant que ça devienne la mode. Mais moi, ce qui m'avait fasciné, donc vous avez dit, oui, j'étais physicien, je suis ingénieur au départ, et en fait, je rêvais de faire de la philo, je vous confesse tout, et on a tous des parents, et mes parents ne voulaient pas que je fasse de la philo, trouvaient que ce n'était pas sérieux. Donc je l'ai fait en cachette, et j'ai continué pendant pas mal de temps. Et c'était justement, j'étais très intrigué par cette notion d'intelligence, et je suis tombé un peu par hasard face à cette discipline qui était l'intelligence artificielle. Je ne raconte pas les détails. Et ça m'a fasciné parce que ça me permettait de mieux comprendre ce que c'était. Moi, j'avais passé des tests de QI, et ça me semblait dérisoire par rapport à ce que j'avais comme idée de ce qu'était l'intelligence. Pour moi, c'était lié à l'intuition, c'était lié à l'imaginaire, c'était lié à beaucoup de choses, mais pas simplement au fait d'être capable de résoudre des problèmes de logique extrêmement simples. Et après, j'ai compris que les QI ont été introduits dans une perspective d'abord psychologique, avec Binet, ensuite pragmatique, avec la volonté d'affecter à chacun une position au moment du débarquement américain. Puis ensuite, ça a été réutilisé. Mais ça n'est pas l'intelligence. Enfin, d'ailleurs, on vous dit on va augmenter le QI moyen. C'est une absurdité, parce que le QI moyen est défini par définition à 100. Dans une population. Et bien sûr, les tests sont variés. C'est-à-dire que selon les pays, les tests ne seront pas les mêmes. Et moi, je me souviens qu'il y avait... j'ai participé il y a un certain nombre d'années à une émission publique sur un QI en direct. Et là, c'était une émission allemande. Alors, j'étais là, j'étais un peu le monsieur loyal au fond de la salle. C'était amusant. Ils avaient mis, il y avait 5 populations, il y avait des grandes blondes, il y avait des pâtissiers, il y avait des étudiants, des chefs d'entreprise et des culturistes. Et ensuite, ils ont comparé leur QI. Alors, à un moment donné, tout d'un coup, au bout de... Ça a duré 3 heures ou 4 heures, c'était épuisant. Il y a eu un break et tout d'un coup, la productrice de l'émission me dit... On est très embêté, on ne peut pas donner les résultats. Pourquoi ? Parce que les grandes blondes avaient des mauvais QI. Et ça, c'était vraiment pas politiquement correct. Alors, en fait, l'explication était très, très simple. On sait que statistiquement, les femmes sont plutôt moins bonnes sur la géométrie, plutôt meilleures sur les questions de verbalisation. Et comme c'était un test de QI allemand, ils insistaient beaucoup sur des aspects de géométrie parce qu'ils font beaucoup de géométrie projective à l'école. Et donc, bien sûr, ce n'était pas du tout adapté aux Français, encore moins aux Françaises. Et donc, donc tout ça, oui, pour vous dire, cette notion d'intelligence est une notion très, 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 très problématique. Alors ensuite, bien sûr que l'intelligence artificielle peut nous aider, les supports externes de mémoire, bien sûr, à aller plus loin, à chercher mieux, à être plus intelligent. Moi, je travaillais et je continue à travailler sur ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire essayer... d'utiliser les ressources du numérique pour les disciplines d'érudition traditionnelles, comme par exemple la critique littéraire ou l'histoire, etc. Et ça nous permet d'être plus intelligents globalement. Mais bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi des risques. C'est-à-dire que celui, par exemple, parce qu'on dispose de toutes les références à l'extérieur, de ne plus apprendre jamais aucune récitation. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'école, on n'apprend plus aucune récitation. Ça a certainement des effets qui sont problématiques. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'il faudra qu'il y ait des réflexions importantes dans le futur, sur les projets pédagogiques et sur ce que l'on veut faire, sur la façon dont on veut former les gens, pour non pas les former à court terme pour qu'ils soient capables de maîtriser les machines et de trouver un métier, mais les former à long terme pour que, vraiment, on forme des humanistes du 21e siècle. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Et je suis d'accord avec vous, mais c'est une réflexion de fond qui est difficile à conduire. Qu'est-ce que c'est que l'homme au 21e siècle ?
Merci beaucoup, merci. Monsieur Ganassia. Je pense qu'on va vous applaudir.